je suis Angélique, professeure de hautbois au Conservatoire du Tarn. Je vais vous parler du hautbois, qui est un instrument de la famille des vents et plus particulièrement de la famille des bois. Il est en ébène et se compose de trois parties. Le corps du haut, le corps du milieu et le pavillon. Il fait partie aussi de la famille des instruments à hanches et plus particulièrement à hanches doubles, puisque je ne vous ai pas parlé de ce petit morceau de bois ici, qui est une hanche, c'est du roseau, c'est deux lamelles de roseau que l'on a collées l'une à l'autre, qu'on a entourées d'un fil, voilà, et qui ont la particularité de vibrer au passage de l'air. Donc si je souffle dans mon hanche, ça fait un petit son un peu rigolo, mais pas très intéressant, alors que si je la mets dans mon hautbois, puisque mon hautbois ne fonctionne absolument pas s'il n'y a pas d'hanche. J'ai beau souffler dedans, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que je mette mon hanche pour pouvoir jouer une multitude de notes. Le hautbois se retrouve surtout dans la musique classique, mais aussi dans de nombreuses musiques de films ou de dessins animés. Voilà, ma présentation est terminée, j'espère que ça vous a plu. Nous pouvons commencer le hautbois à partir de 7-8 ans. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt.